Hey yo tout Zéro. le monde, c'est Pierrot et je retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis en compagnie de Professeur Fein. Miaou, salut tout le monde! C'est Bon, moi clair, je t'ai ça. pas cassé les oreilles comme la dernière fois. Je sais pas, on va voir. T-Rex noir, du coup. Bonjour. Et puis Sam Curry, putain, j'ai oublié. Et puis Ah, l'hésitation! Oui. Attends, je regarde La le fatigue. papier. Ah oui, Sam Corey. Merde. Ouais, c'est ça, c'est bien le bon pseudo. Ouais. Attends, comment il s'appelle ce con déjà? Oh, Excellent. je rigole. On rigole, t'inquiète. Bon, comment vous T'inquiète. allez, les gars? Bah, moi là, du coup, ça va. Ah, ça va, pareil. J'ai pris mon bol de croquettes, ça va. D'accord, ok. Je bois ma bière, ça va. Putain, le mec il boit une bière pendant qu'il fait une vidéo. Oh. Bah oui. Et en plus, c'est pas une très bonne bière, donc. C'est une quoi? Donc, ce sera pas une très bonne vidéo. Oh non, c'est marrant. Bon, Et je bref. viens de me faire buter par un Théostra. Ah non, c'est bon. Toast! D'accord, ok. Oh putain, c'est vrai, là je suis en train de tourner. Donc on commence. Non, mais je suis crevé, ça veut rien dire, donc on garde, on s'en bat les couilles. Donc. C'est l'intro. Au pire, je te dis la présentation, tu la refais plus tard hein, si ça te plaît pas. Ah ouais. Non, mais je garde, je m'en fous. Alors, donc, on va D'accord. parler de. Donc, on va parler de la communauté Monster Hunter en général. Donc tout ce qui concerne les forums, le Discord, Facebook, Twitter, n'importe quoi en fait, même jeuxvideo.com si on peut. Et puis ben voilà, donc ça c'est le premier sujet. Le deuxième, vous l'avez vu sur le titre de la vidéo, c'est donc YouTube, tout ce qui concerne Monster Hunter sur YouTube. Et puis voilà, donc premier sujet les gars, communauté MH, est-ce que vous avez un truc à dire pareil? Alors, ouais, Ouais. j'ai beaucoup de trucs à dire. Alors, je me permets de lancer la chose en premier parce que moi, j'ai connu la communauté Monster Hunter dès les débuts de Monster Hunter 2, en fait. Quand Monster Hunter 2 est arrivé, Facebook et Twitter n'existaient pas. Et moi, j'ai connu que les forums. Et c'était énorme, tout simplement. Parce qu'on avait des équipes de modération qui géraient le café, mais vraiment, quelque chose de bien. On avait des gens qui étaient créatifs, on avait énormément de créativité à cette époque-là, et des gens n'étaient pas connus, hein, tu vois, c'était pas un truc de fou. Alors aujourd'hui c'est pareil, mais les gens n'arrivent plus à se partager ce qu'ils font, à se montrer, enfin oui, ce que j'aime dire, à partager ce qu'ils font, tout simplement parce qu'on a trop de réseaux sociaux faits pour partager, et les gens, ça s'en perdent. Question, les gens créatifs, ils faisaient quoi en fait? Et ben, ils faisaient ce qu'ils font aujourd'hui. Ils faisaient des lives, ils faisaient des fics, ils faisaient des dessins, ils faisaient des tutos, ils faisaient plein de trucs, des cosplays, ça existait aussi, sauf que tu avais que deux sites. Tu avais les forums et tu avais Skyblog. Tout simplement. Alors là, je te parle d'une époque il y a 10 ans. Oui, je m'en doute. Alors On peut dire qu'aujourd'hui, t'as Reddit, t'as Facebook, Twitter, YouTube, Twitch. Le peu de forum qui reste, ils sont là, dans les campagnes, dans les villes, sur les réseaux sociaux. Le problème, c'est que Internet est tellement un truc énorme que les gens ne savent plus où aller pour partager leurs choses en fait. Alors que la volonté, la créativité et les mouvements communautaires n'ont jamais changé. Ça a toujours été la même chose. Il y a toujours eu de la triche, il y a toujours eu des gens cool, inventifs, mais c'est juste que c'est devenu tellement vaste que les gens sont éloignés à un point qu'ils n'arrivent plus à se retrouver. Alors justement, moi je suis un peu un connard, donc je vais faire un peu le contrebalancier, tu vois, genre j'adore nager dans le sens inverse du courant. Et je suis d'accord avec toi sur certaines choses, genre j'en reparlerai quand on abordera le thème de YouTube. Ouais. Mais je trouve que c'est pas plus mal dans un sens d'avoir tous les réseaux sociaux, tout ça, parce que ça te permet de piocher, tu vois, plutôt que d'avoir. Je sais pas comment c'était avant, mais plutôt que d'avoir beaucoup trop d'informations d'un coup, là ça te permet de sélectionner vraiment ce que tu veux, hein. Bah, c'était pareil à l'époque où il y en avait autant. C'est ça que je comprends pas. C'est-à-dire.
Là, en fait, ce que je reproche, c'est qu'il y a trop de réseaux sociaux qui vendent la même chose en soi. Et il y a non, tellement... Mais... C'est les réseaux sociaux qui nous perdent, en fait. Ils sont tellement trop qu'on ne sait plus où aller, en fait. Ouais, du coup, ça, je reparlerai dans le thème de YouTube. Ouais, c'est ça, ouais, YouTube. Alors, le problème de YouTube, c'est différent, parce que YouTube, t'as le matériel qui a changé aussi, qui fait que t'as plus de YouTubeurs, plus de gens qui peuvent proposer des let's play et tout, alors qu'il y a 10 ans, mec, c'était impossible. Impossible, je te jure. Faire des let's play Monster Hunter 2, il fallait qu'il y ait une PSP craquée. Mais déjà, pour que ta PSP craquée, il fallait connaître des gens qui savent comment la craquer. Il fallait qu'il y ait un logiciel pirate qui puisse enregistrer les jeux auxquels tu joues, qui soit à la bonne mise à jour qu'il faut de la mise à jour de base du crack de ta PSP. Enfin, c'était un système informatique particulièrement hallucinant, ce qui fait que tu avais quoi, 3-4 youtubeurs qui faisaient des let's play en France. Tout simplement. Tu veux savoir ce qui est drôle, c'est que j'ai essayé et que j'ai pas réussi. moi aussi, j'ai essayé. La PSP est pourtant vraiment pas dur. Ouais, oui, moi je pense pas que j'ai pas réussi. C'était déjà dur à l'époque, pour te dire. En fait, tu mets juste un petit logiciel dedans, Je sais bien, mais je l'ai fait. Voilà. Je l'ai fait, mais ouais. Il fallait que ça soit. Pardon, excusez-moi. Il fallait que ça soit. Par rapport aux bonnes mises à jour, je sais. Voilà. Mais c'est ça qui faisait tout parce qu'il y avait tellement de mises à jour au bout d'un moment que tu savais plus où te repérer au niveau de ta PSP, quoi. Bon, aujourd'hui, tu te fais plus chier, tu télécharges PPSPP, c'est mais bon. Non, mais pas ça. Tu vas sur RomStation. Tu vas sur RomStation, t'as tout. Ouais, bah, c'est encore plus facile. Mais RomStation, il passe par PPSPP, justement. Oui, ouais, voilà. C'est une mine d'or. C'est ouais. Incroyable. C'est vrai que la plupart des jeux, je les fais tourner sur HomeStation pour les vieux. Après, au niveau de la communauté Monster Hunter, c'est vrai que entre les débuts, moi je suis arrivé autour de la période des Mastery, dans ses débuts, à peu près. Parce que j'ai bien joué à Monster Hunter, mais comme j'avais pas internet avant, j'ai jamais pu m'intéresser à cet univers vu que je ne pouvais pas. Sur l'époque Monster Hunter 3, c'est vrai que les forums, il y en avait que deux. Il y avait celui de Prof Stacey et celui de Tony. Life Phoenix. Ouais. Ah oui, ben c'est Life Phoenix. Tony, c'était ouais. Un peu après. Non, Life Phoenix, c'était l'un des premiers. Hein. Ouais. Ils avaient Tony, c'était un petit peu après. À l'époque, quand Monster ouais. Hunter 2 était sorti en PSP au Japon, ils avaient déjà fait un patch FR avant que Monster Hunter Freedom 2 sorte. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y avait très peu de forums, mais les communautés étaient hyper actives sur ces forums. Tu avais je sais pas combien de messages, effectivement, tu avais des modérateurs qui étaient là, qui étaient super réactifs aussi, et super efficaces. Pour te dire, quand j'ai fait ma fille, la légende du T-Rex Mar, 4 ans plus tard, il y a des gens qui m'ont reconnu en convention. Aujourd'hui, je fais tu vois ma fille que je fais à l'heure actuelle sur ton site, d'ailleurs, je vais reprendre demain, les gens, ils lisent pas, ils s'en foutent. Mais il y a 5-10 ans, les gens, ils étaient à fond dedans. Je te jure, il y avait même des gens qui avaient téléchargé des films, enfin des logiciels pour faire un film sur ma fic. C'était un truc de fou. Et c'est eux qui avaient demandé à ce qu'on fasse un bouquin. C'était un élevage pour moi. Il y avait une grosse fic à l'époque. Hein. Je remarque, en fait, aujourd'hui, c'est qu'on est arrivé à ce que j'appelle l'internet fast food. Mais complètement. En gros, les gens ne veulent plus se faire chier à chercher, ils veulent du tout cuit. Donc ils s'inscrivent dans des groupes Twitter, Facebook, tout ça, pour finalement avoir l'information qu'ils veulent, tout cru, toute donnée, toute crue. Alors qu'avant, les gens, effectivement, ils recherchaient, vu qu'il n'y avait pas tous ces réseaux sociaux, qui créaient de l'interactivité, de la sociabilité, et toute une organisation autour de Monster Hunter qui, hélas, aujourd'hui, je suis désolé, mais elle n'existe plus, cette organisation. Bah, parce qu'il y a trop de sites. Qu'il y avait avant. Et moi, voilà, je pense tout simplement. Et je le remarque avec mes propres forums. Avant, pourtant, tu vois, quand j'étais au début de Professeur Féline, tout ça, bah voilà, le forum était quand même bien plus actif. C'était plus facile de faire connaître. Là, tu vois, j'ai changé depuis janvier le nom du forum en question. Par rapport à Monster Hunter France, dont je suis venu un des principaux partenaires, un partenaire direct même. J'explique pourquoi j'ai fait ce changement de nom. C'était par rapport à, effectivement, le but de vouloir rassembler la communauté, parce que la communauté qui était avant
elle me plaisait énormément. Là, j'avoue que maintenant, j'arrive plus trop à m'y retrouver dans la communauté avec cette division sur Facebook, tout ça. Tu sais où est-ce qu'elle est, la communauté, maintenant? Elle est soit sur JVC ou alors sur Facebook. Je peux dire que Facebook... JVC, elle y était quand même pas mal avant aussi. Oui, elle y était beaucoup. Elle y est toujours encore. Oui. Moi, je peux te dire un truc, c'est Facebook. C'est incroyable le nombre de nouveaux sujets qu'on a aujourd'hui tous les jours. On a 20 à 30 nouveaux sujets tous les jours. Après, mon forum est encore beaucoup visité quand je regarde les statistiques, mais par contre, au niveau de l'interaction, c'est plus ce qu'il y avait avant. Moi, je vais dire justement, PF, parce que moi, je parlais des filles tout à l'heure, donc, il y avait la mienne, il y avait aussi plein d'autres filles qui étaient vachement connues, et d'ailleurs, il y en avait une qui avait fait un bouquin bien avant le mien, qui s'appelait Max Planter, le roman est déjà avant que j'arrive. Et ça s'appelait Max Hunter, c'était un mec de la Fata Team qui s'appelait Griff Hunter, qui avait déjà fait un super bouquin. Mais maintenant, j'ai envie de te dire, la question que je te pose, c'est est-ce que tu connais une fic actuelle qui fait parler d'elle, de la non. française? Non. Ben, je veux dire, il y a 10 ans, tu en avais au moins 5 qui étaient en train de concurrencer. Je me rappelle encore d'une fic qui traînait sur JVC, je me rappelle plus le nom, mais il y avait Jaggy dedans. Le truc qui marche bien. Ah ouais, mais je me rappelle plus du début du nom, mais c'était sur le JVC MH3 et c'était le titre, il avait un rapport avec le Jaggy. Mais je me rappelle plus vraiment du titre. Ouais, c'est Jaggy, c'est pas Michel, difficile non, de s'en souvenir. Oh merci qui? Merci Jaggy Michel. Pas mal celle-là. Il y aura un logo spécial pour ça. Jaggy Michel, what? On part trop loin, les gars, là. On en fait 12 000 de vidéos, déjà, elle est c'est le craquage. Celle-là. Ah, bordel. Par contre, on s'éloigne un petit peu, là. Pour être un peu plus sérieux, comme vous l'avez dit, les gens ont la flemme de chercher ce qui les intéresse. Et il faut aussi dire que sur les forums... Alors, moi, j'ai débarqué sur Internet au moment où les forums... commencer un peu à finir leur temps, quoi, genre vers milieu fin. T'as dû arriver autour entre 3 U et 4 U, alors à peu près. Ah non, je suis arrivé à la fin de tri, hein. Un peu, genre 2 ans avant la fin des serveurs de tri. Hein. Ah, pourtant, les forums ont plus commencé à décliner, c'est plus entre 3 U et 4 U qu'ils ont vraiment commencé à décliner. C'est vrai. Après, ce que je veux dire, c'est que les gens ont plus la flemme d'écrire sur un forum que d'écrire sur des réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que sur les forums, l'attente est déjà beaucoup plus longue pour recevoir un message. Enfin, c'est pas que c'est long dans le sens où, putain, le message, il met 3 ans à s'envoyer. Non, c'est plus que les gens mettent longtemps avant d'écrire, ou alors certains n'écrivent pas. Alors que sur les réseaux sociaux, comme tu dis, t'as des groupes sur Twitter ou Facebook, hop, t'écris direct, tac, tac, et tu peux parler comme tu veux, quoi. Tu peux spam, t'as pas chez personne, contrairement au forum. Après, ce que je regrette effectivement au format vers réseau, c'est que c'est un peu un fourre-tout, quoi. C'est juste une page où ça se cumule, il n'y a pas d'organisation. C'est pour ça que je préférais le format forum, parce qu'au moins tu peux créer une organisation et mieux t'y retrouver. Bah, c'est pas difficile quand tu vois tous les nouveaux sujets sur Facebook dans les groupes Monster Hunter. Et bien, moi je peux te dire un truc, tu as 15% qui seront acceptés à l'heure actuelle dans un forum qui a déjà élaboré tous les sujets de base. C'est vrai. Pour un truc tout con, le respect, le nombre de messages qui demandent juste qui pour Behemoth. Voilà, pas de bonjour. Juste pour un forum, mais tu te fais dégager, mec. Voilà, c'est ça. Ouais? Parce qu'il faut d'abord dire bonjour, est-ce que quelqu'un veut m'aider et tout. Enfin, juste le respect que ta maman t'apprend ou ton papa t'apprend de base, quoi. C'est juste ça, il y a plus de respect, il y a plus de bonjour, il y a plus de merci, il y a plus de au revoir. Il y a plus de s'il vous plaît. Qui pour Behemoth? Après, les gars, on tu a quand ça même... sur un forum, mais mec, t'es un averto, quoi. Les gars, tu on a ça sur un forum, t'es un averto. Tu dis mec, tu te présentes, tu dis bonjour, j'ai besoin d'aide, veuillez m'aider s'il vous plaît, si vous l'acceptez et tout. C'est tout con. Mais c'était une forme de respect, quoi, qui était la base dans un forum. Et aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, Facebook, tu peux pas savoir qui se présente, malgré le fait que tout le monde demande à tous les admins de groupe Facebook, demande à ce que tu te présentes, mais personne ne peut le vérifier.
Après les Non, gars, parce actuellement que justement, il n'y a pas. Oui, dans la communauté actuellement, là on a quand même pas mal parlé des forums, c'est bien. Mais après, il n'y a pas que les forums, il n'y a pas que Facebook, il y a aussi Discord vas-y. On peut parler du Discord si tu veux, ouais. Ah, Discord, oui, c'est ça. Par contre, c'est en voie de développement pas possible. Ouais, moi, je connais pas bien, donc je peux pas trop en parler en fait. Alors, moi, je peux en parler. Et au niveau de la communauté FR, c'est de Monster Hunter FR, c'est vraiment le bordel au début. Hein. Ah ouais, alors, bah moi, j'ai pas l'impression. Genre, juste pour te dire, bah tu vois, il y a le serveur de Monster Hunter FR, ouais. Le serveur de Blue et de Monster Hunter, mais avant, t'en avais plein d'autres, et encore là, t'en as plein d'autres, mais j'ai fait un tri monumental, j'ai tout viré. Hein. Et genre, c'est vraiment chiant de voir plein de youtubeurs créer leur Discord pour qu'au final ils ne servent à rien, quoi. Mmh. Plutôt que se rassembler. Bon, après, je comprends que les gens ne s'entendent pas entre eux. Et mais c'est pour ça. Et qu'ils veulent avoir leur Discord pour être tranquille, tu vois. Mais je trouve ça inutile parce que sur certains, il ne se passe rien. Hein. Bah, c'est un petit peu pour ça que moi, j'ai accepté le partenariat Rorschach, ça. M'avait proposé avec le Discord officiel Monster Hunter France, c'était justement pour éviter cette division. Parce que de toute façon, s'y attendait qu'il y aurait des gens qui créaient leur Discord de leur côté, des Discords mornés en fait. Et ce qui est un peu con, parce que d'une part, ça divise l'information. Alors que pour se rassembler tous sur un même Discord, ça permettrait à l'information de mieux se diffuser. Et le pire, c'est que certaines personnes, des fois, parlaient sur un Discord pour parler d'un autre Discord, en fait, de ce qu'ils avaient parlé sur un autre Discord. Ah oui, mais ça, effectivement, ça, sur MHFR, en ce moment, ils sont emmerdés, ils arrêtent pas d'en dégager, des gens comme ça. Hein. On avait parlé un petit peu de... Donc du coup, ça crée des conversations doublons, et moi, j'ai plus la flemme de lire ce qu'il y a écrit sur la Discord, quoi. Après, c'est vrai que Discord, c'est un bon truc, c'est une bonne plateforme, oui. C'est quand même assez pratique, c'est instantané et tout. Mais encore une fois, on en revient à la facilité des réseaux sociaux avec Discord. Tu vois, c'est juste un mur où tout est... bon, au moins, tu peux quand même plus organiser que les réseaux sociaux. C'est un... Parce que tu peux créer des parties vocales, des parties... Donc, du coup, tu y mets. Mais tu pourras jamais avoir la même organisation qu'un bon vieux forum. Voilà. C'est un TeamSpeak épuré, on peut dire ça comme ça. C'est un mélange entre Skype et TeamSpeak, mais en beaucoup mieux fait et beaucoup moins bugué, effectivement. Si on pouvait comparer pour... Alors moi, à ce sujet, je vais vous dire un truc. Déjà, il y a 10 ans, à l'époque, il y avait plein de gens qui voulaient créer des autres forums Monster Hunter pour faire leur propre communauté et aussi, des fois, taper sur des gros forums dont ils étaient jaloux. Ça, c'est un comportement qui a toujours existé, parce que le comportement humain sera toujours le même. Sauf que bah, les petits forums qui naissaient comme ça, bah, ils étaient tout oubliés parce qu'ils servaient à rien. Dans le sens où toutes les communautés étaient déjà dans les deux gros forums monumentaux de l'époque. Donc ils trouvaient ça ridicule. Ouais, j'ai créé quand tu voyais un mec qui disait « Ouais, j'ai créé un nouveau forum Monster Hunter », bah, il y en a déjà deux, ça sert à quoi? Non, mais juste, voilà. C'est, ça, c'est l'envie de se faire connaître, l'envie de faire des choses à sa manière, l'envie de faire soi-même. À l'époque, j'ai créé mon propre forum avec ma team, Alliance Drake, à l'époque, on s'était bien marré. Mais en soi, bah, ça servait à rien, parce que tous les petits gars... Oui, il y en a plein des forums comme... Mais voilà, vous en revenez à un point essentiel. Pourquoi ça sert à rien? Parce qu'ils recréent des choses qui sont déjà créées. Aujourd'hui, si on veut vraiment faire quelque chose, il faut faire quelque chose qui n'existe pas, se distinguer. C'est pareil, le sujet d'après qu'il va aborder sur YouTube, pour les youtubeurs MH, plutôt que de créer des 36 000 let's play ou 36 000 choses qui existent déjà, faire un contenu qui plaît et se distinguer. Le problème des let's play, c'est que t'as la strat de jouer qui change en fait. Et c'est ça qui peut plaire. Donc, les let's play, c'est différent en fait. Mais YouTube, c'est différent parce que... Tu vois, on peut critiquer des youtubeurs qui font les mêmes choses, mais ils ont toujours des façons de les présenter différemment. Alors qu'un forum, c'est fait pour aider sur certains points d'un jeu, mais à partir du moment où t'as déjà deux gros forums qui ont déjà dégagé tous les points pour qui aident tous les joueurs, ouais, à l'époque, t'allais sur un forum, tu crées, excusez-moi, comment est-ce qu'on fait pour avoir tel Ruby, je sais pas quoi? Eh ben, ton sujet était refusé parce que quelqu'un avait déjà posé la question sur un sujet et on lui avait déjà répondu. Tout simplement. Ah mais quand tu vois sur les groupes Facebook, c'est pareil. Attends, le plus ridicule que j'ai vu, c'est des gens qui posaient les questions sur un composant, alors qu'il aurait fallu qu'ils regardent juste deux publications plus bas pour voir qu'il y avait un mec qui avait déjà répondu.
C'est même pas ça. Alors, il suffisait qu'il scroll légèrement plus bas pour voir que sa question avait déjà été posée. Bien sûr. Mais puis même, aujourd'hui, t'as Kiraniko. Kiraniko, on l'avait pas il y a 10 ans. Oh, t'as aussi Light Phoenix qui a fait un truc qui est pas mal, c'est... Attends, je me rappelle plus comment ça s'appelle, mais c'est un truc du... la taverne du Palico. Hein. J'ai pas vu ça, sinon. Attends, comment ça... Attends, je vais t'appeler, mais attends. Non, c'est la Biblio du Palico, voilà. Exactement. C'est ouais. Ah, oui, mal, c'est... La Bible mèche, on avait ça à l'époque, mais c'était pas encore bien finalisé. Mais voilà. Il l'a fait sur Word, là, et c'est vraiment une excellente initiative que Light Phoenix a fait. Ah, j'y trouve génial. En fait, c'est pas un logiciel, c'est un site qu'il a fait. À l'époque, c'est un logiciel, tu mettais. Tu vois, c'était un peu comme une calculatrice, tu mettais un nom d'un composant, toutes tes infos et tout, c'est super cool. Bah, en fait, c'était un pré-Kiraniko de l'époque. Et c'était. Parce que tu vois, le pauvre, on en revient encore au sujet qu'on avait fait tout à l'heure. Qui me poussait à y aller parce que je pensais à mes meilleurs moments de communauté dans Monster Hunter LP, donc Monster Hunter 2 en fait, Unite, c'était énorme à l'époque parce que tout le monde s'éclatait sur tout et le forum était identique à ce qu'il avait fait et moi j'ai dit bah, putain, on est là pour se marrer un peu, mais il n'y a personne. C'est ça le problème, c'est qu'effectivement il a fait un bon truc, il a fait une bonne initiative, mais finalement. Son forum ne marche pas. Par contre, il a fait la biblio du Playco. Et ben, il a beaucoup de visites là, par contre. Bah, c'est bien. Il en mérite. Voilà. C'est vrai, il le mérite. Mais je trouve ça dommage qu'effectivement le premier format n'ait pas marché. Alors que c'était quand même une bonne initiative. Il en a fait plusieurs, des petits trucs comme ça, des petits logiciels. Ah, je suis pas au courant pour les autres, par contre. Je sais que j'ai vu la biblio. Même sur Zerd, quand il est sorti, il en avait fait un et on. Et il nous a beaucoup aidé hein, parce que quand Zerd est sorti, nous on l'avait pas patché par toi et la communautaire, hein. On l'avait entièrement japonais. voilà, merci, on le remercie beaucoup pour ça justement. Après, si vous savez, il y a Gougouts qui a fait un patch pour Double Cross également, patch FR pour la version 3DS. Après, il est encore version alpha, donc il y a pas mal de trucs qui manquent et je sais pas s'il va le mettre à jour ou s'il va abandonner le projet. Je sais pas. Je pense qu'il va attendre la sortie de MHGN Ultimate pour pouvoir le terminer, je pense. Possible, oui. Ouais. Ce serait bien s'il pouvait le faire, parce qu'effectivement, ça permettrait à ceux qui peuvent vraiment pas avoir la Switch ou le jeu, mais qui ont quand même une 3DS, de pouvoir y avoir accès. C'est vrai. Moi, j'aimerais bien y avoir accès quand même, c'est vrai. Gougout qui a aussi fait un jeu avec... Avec Totax, oui. Monster Hunter Helper. Ouais, on parle parfois avec Totax, ouais. C'est un petit RPG MH où c'est pas des dresseurs, c'est des dompteurs de monstres et qui se passe sur RPG Maker. Et il bosse encore dessus, hein. Ouais, il bosse encore dessus, oui. Oui. J'ai récemment vu une liste de tous les composants, tout ça qu'ils font. Ils en inventent même par rapport à MH, mais qui respectent le lore de la série. J'ai vu. Vraiment. Mais d'ailleurs, parce que je pourrais faire un gros let's sur son jeu. Et d'ailleurs, c'est toi, Zankori, qui me l'avait envoyé pour qu'on cause d'un bouquin qu'il voudrait faire. Je vais pas répondre. Ah, oui. Mais on a pas mal discuté là-dessus, parce que là, le problème, en fait, c'est que je lui ai déjà donné les conseils. Mais il les prend pas trop en compte, il continue à prendre son univers alors que je lui ai donné des conseils et ça avance pas trop en fait dans notre conversation. Je vois de quoi tu veux parler. On en reparlera plus tard. Et il est sympa, mais là il faut qu'il. Son roman, il faut qu'il. Enfin, je sais même pas ce qu'il veut faire, c'est ça le problème de son histoire. Mais en tout cas, son jeu qu'il a fait sur Monster Hunter, je vais faire un SP dessus bientôt quand j'aurai bien avancé sur Zord. Et moi, quand il l'aura terminé, je ferai une vidéo dessus. Même si je pense que ça va mettre un certain temps avant qu'il le termine, voire même... Ils sont loin de l'avoir terminé pour le moment. Terminé, à mon avis, honnêtement, je pense qu'il ne le sera pas, parce que ce genre de truc, c'est trop long à faire. Surtout à deux. Surtout quand on a d'autres projets à côté. Ils sont que deux, c'est vrai. Donc du coup, s'ils pouvaient réunir une petite équipe... J'avais eu quelqu'un qui était prêt à les aider, puis finalement, ils n'ont pas eu de nouvelles de cette personne après. Mais ça a quand même l'air d'être pas mal avancé, hein, de ce que j'ai vu.
Ouais, oui, c'est... ils ont quand même fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail dessus. Donc, c'est pas juste deux heures de... Ah non, 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 c'est loin, c'est loin des deux heures. Elle est... deux, trois jeux plus qu'on sur Internet. À l'époque, on avait... Il y a eu une petite coupure, désolé. Et puis, bah, on était sur quoi déjà? On était sur le RPG Helper. Donc, RPG de Toutax. Ouais, de Toutax, ouais. Écoute. Et Gogoutz, oui. Gogoutz. Ouais. Faut pas déformer le nom, sinon ce sera la Gogoutz qui fera déborder le vase. Oui, totalement. Dédicace à toi si tu regardes la vidéo. Bon. Donc, on parlait du RPG, donc c'est un excellent... Ouais, c'est un excellent RPG, il y a un matière d'autre dessus, quoi. Voilà. Ok, voilà, c'était court. Non, mais ce qu'on disait, c'est que le petit bonhomme, avec un petit logiciel, il a réussi à faire un gros truc qui a bien fait parler de lui. Il a bien avancé, il a bien fait sa chose et qu'il a beaucoup à proposer, parce que moi, pour avoir causé avec lui, c'est un mec qui a beaucoup d'inventivité, qui sait proposer des choses, et son RPG, bah, je sais que du bon, parce que ça peut s'annoncer un petit truc vachement sympa en fait. Complètement. PF, il me semble que c'était toi qui l'avais testé la première partie. Oui, c'est ça. Après, bon, il faut pas s'attendre à jouer vraiment à MH quand tu sais l'univers, mais il faut plus s'attendre à jouer à un RPG classique. Est-ce que ça ressemble un peu à Monster Hunter Stories quand... T'avais l'air de dire ça tout à l'heure, non? En fait, c'est le but, oui, c'est plus un truc de dompter des monstres que de les chasser. Ah, d'accord. Après, l'univers c'est pas exactement la même chose non plus. D'accord. Non, non, ils ont réussi à quand même se distinguer de MH Story, malgré qu'ils l'ont que le projet a commencé peu avant la sortie de ce jeu. C'est vrai. Super, c'est pas mal quand même. Sinon, on reparle de la communauté. On en était oui. J'ai une conclusion à faire éventuellement, c'est si vous voulez bien, c'est ce que je vous disais tout à l'heure sur le Discord. Alors, je vais pas parler à la personne concernée parce que c'est quelque chose que j'ai vu beaucoup, notamment chez toi, PF, à l'époque de Katsui avec Azura. Vous disiez beaucoup des choses pas très cool dans le sens où quand la communauté a changé de réseaux sociaux, vous amusiez à dire que la communauté Monster Hunter était trop divisée. Maintenant, pourquoi et comment est-ce qu'on peut avoir ce sentiment-là? C'est la question. D'où est-ce qu'on peut dire qu'une communauté, elle est divisée ou pas? C'est ça qui me dérange, parce que tu vois, c'est encore un truc qui ressort en ce moment de la personne dont on disait. Donc, bah, je vais le dire quand même, parce que c'est des messages publics, mais Monster Hunter a pas mal craché là-dessus pour dire que la communauté est trop divisée et c'était dommage, il y a trop de personnes dans leur coin et tout, et personne ne fait des trucs ensemble. T'as repris là ou... Voilà quoi, alors d'où est-ce qu'on peut dire qu'une communauté est liée ou est divisée? Parce que moi perso, j'ai pas forcément une impression qu'elle a tant évolué que ça en soi. J'ai vu tes messages sur Twitter, T-Rex Noir, c'est vrai que t'as parlé un petit peu avec Monsieur Hunter, enfin parler, on va dire ça comme ça. Et puis ben, c'est intéressant autant l'un que l'autre en fait. On peut m'expliquer le contexte, SVP? Je viens de débarquer. Ben, T-Rex Noir, si tu peux lui expliquer un petit peu. Alors en fait, Monsieur Hunter a pas mal fait, c'est faux, mais il a fait quelques tweets disant souvent que la communauté Monster Hunter était intéressante, mais que malheureusement, elle était trop divisée. Et moi, je trouve ça un peu ridicule de dire ça, parce que déjà, je sais pas ce que c'est qu'une communauté divisée ou qui n'est pas sur Internet, vu le nombre de réseaux sociaux qu'il y a à l'heure actuelle. Et surtout, pour quelqu'un qui ne s'intéresse pas à ce que font les autres, généralement, de moi, ce que je vois, c'est Monsieur Hunter, c'est quelqu'un qui est beaucoup vu, qui fait un bon contenu sur YouTube, parce que bon, bah voilà, c'est un let's player qui fait des trucs super intéressants, qui aide beaucoup de gens, voilà, qui fait des bons tutos, des bonnes astuces. Mais il dit beaucoup de choses là-dessus sur Twitter, dans le sens où la communauté est divisée, mais je ne vois pas trop se manifester sur ce que font les autres. Et moi, je trouve ça un peu bizarre. Je crois que je vais répondre. En fait, le truc de communauté divisée, c'est un peu le ressenti par rapport au débat.
on a plus l'impression que tout le monde veut faire son truc dans son coin plutôt que de partager en public, avec les autres. Et c'est ça qui donne, c'est ça qui nous donne l'impression de communauté divisée. Mais parce que quand on met un truc sur internet, notamment quand on fait un truc, on veut le partager, donc on peut pas dire qu'on est divisé. C'est ça qui est bizarre, on peut pas dire qu'une communauté est divisée sous prétexte qu'on fait des trucs de notre coin. Tu peux pas faire un truc dans ton coin à partir du moment où tu publies sur internet. Tu le mets en public, c'est tout, et puis bon, après, tu connais pas forcément les bonnes astuces pour le montrer devant tout le monde. On connaît pas tous les bonnes méthodes pour partager ce qu'on fait. Et c'est pas pour autant qu'on est divisé dans notre coin, quoi. Après, il y a deux fautifs. De un, t'as les viewers, et de deux, t'as le youtubeur. Alors, premier lieu, t'as le youtubeur. Pour moi, c'est mon avis. En premier lieu, t'as les youtubeurs qui sont pas assez. Qui parlent pas assez des autres petits youtubeurs, c'est qu'ils sont moins connaître et tout. Hein. Et de l'autre côté, t'as les viewers, ouais, parce que eux aussi, je les accuse. Hein, qui ne se cassent pas assez le cul pour trouver des bonnes chaînes YouTube. C'est à chaque fois, le nombre de commentaires que je vois sur certaines vidéos en disant « Ouais, heureusement qu'il y a que toi sur YouTube, heureusement que t'es là, j'ai jamais trouvé mieux, tout ça », alors que t'as plein d'autres gens qui proposent des let's play de Monster Hunter, et même d'autres choses différentes, comme toi par exemple, directement avec tes au-delà de Monster Hunter, et plein d'autres trucs, quoi. Du coup, j'en profite pour faire un peu ma pub. Les let's play, c'est encore plus flagrant parce que t'en as vraiment beaucoup qui font les let's play sur Monster Hunter World. Après, et pour ceux qui ne me croient pas, j'en profite pour faire ma pub. Si je peux, si j'ai le droit, Pierrot. Oui, vas-y. J'en profite pour faire ma pub. Rendez-vous sur ma chaîne. La toute dernière vidéo, c'est une vidéo qui parle des petites chaînes de YouTube sur Monster Hunter. Et vous verrez qu'il y en a un tas que vous ne connaissez pas. Mm. Faut juste chercher, c'est ce que je dis tout le temps, faut chercher pour trouver et pas demander au voisin que s'il a une bonne chaîne et qu'il te réponde juste je connais Cyprien. Voilà. Et d'ailleurs c'est pour ça, pour la petite anecdote, c'est pour ça, parce qu'on m'a posé la question, que j'ai enlevé le nombre de mes abonnés. Et il y a des gens qui m'ont posé la question, t'as combien d'abonnés? Parce que moi je pense que les gens sont influencés par ça. Ils sont juste influencés par ça, ils disent « Oh, il a pas beaucoup d'abonnés ce gars-là, il a pas beaucoup d'abonnés, il doit faire de la merde, et pourtant, c'est souvent chez ceux qui ont peu d'abonnés. » Vous savez quoi, est-ce que vous voyez la dernière vidéo de Antox Colaboy, qui réagissait la vidéo du Roi des Rats pour les conseils de YouTube? Et moi, je lui ai posé cette question-là. Je lui ai dit que moi, j'avais enlevé mon nombre d'abonnés pour voir quelles étaient les réactions. Parce que moi j'avais peur que les gens soient influencés par ça. Et je dis, est-ce que ça influence vraiment les gens, l'affichage du nombre d'abonnés? Et il m'a dit, honnêtement, c'est une excellente question et j'en sais rien. En vrai, c'est pas con ce que tu dis. Hein. Parce que tu sais quoi, y a quasiment personne qui enlève son nombre d'abonnés, et il y a peu de gens aussi qui savent qu'on peut enlever son nombre d'abonnés sur YouTube. Mmh. Et moi je pense que ça influe vachement, parce que tu sais pourquoi? À l'époque, quand je faisais une vidéo au-delà Monster Hunter, quand je sortais, je gagnais facile 20-30 abonnés dans l'heure qui suit. Aujourd'hui, je fais une nouvelle vidéo, je gagne même pas 5 abonnés. Ouais, pareil. Tu crois ça? Pourtant, j'ai pas changé le nombre d'abonnés. J'ai pas mis les abonnés en privé, par contre. D'accord. C'est pareil. Je gagne beaucoup moins d'abos qu'avant, et pourtant j'en ai toujours autant, voire plus. Après les gars, on parle de YouTube. Surtout que depuis que j'ai le matériel pour faire des displays et que je fais des displays, je fais 3 fois plus de vidéos qu'avant. Mais j'ai mon nombre d'abonnés, il est presque bloqué depuis un an en fait. Alors qu'avant, quand j'ai commencé à créer du contenu à l'époque de 4 rues, mais dès que je faisais une vidéo, mais c'était la folie quoi, je faisais 50 abonnés dans la semaine quoi. Mais je pense que ça joue aussi. Oui, je pense que ça joue beaucoup, parce que tu vois, genre, quand je faisais mes recherches de chaîne YouTube, c'est que je me perdais sur YouTube. J'ai trouvé une chaîne, je sais plus si c'était anglaise ou allemande, je sais plus d'où, qui faisait de l'animation. Hein. Ouais, il y en a plein qui sont bonnes. Elle avait même pas 10 abonnés, tu vois, et ça faisait déjà. Ouais, j'avais jamais vu quelqu'un partager les vidéos là. Bon, c'est pas de l'animation super, super bien animée, mais. J'ai trouvé ça quand même bien foutu, tu vois, pour un vidéaste qui se lançait, tu vois, sur YouTube et sur du Monster Hunter.
et je trouve ça bizarre que personne n'en ait parlé ou tout ça quoi. Mais complètement, surtout en termes d'animation, mais en soi, en international, vraiment de youtubeurs qui font de l'animation en dessin animé sur Monster Hunter. Hashtag NHC Production. Alors ouais. Ils sont totalement excellents. Tu vois, c'est les gens qui ont tout compris à Monster Hunter. Déjà à l'époque de 4U, le sketch sur les conchus, énorme quoi. Ouais. Franchement, on la gueule quoi. C'était simple, cool, mais tu te dis, mais putain, mais les gars ont compris le jeu. Ils ont compris 4U. Même ouais, mais c'est assez incroyable en soi. Donc, Après les gars, on commence à parler beaucoup de YouTube là, donc est-ce qu'on on attaque le second sujet? Ouais, on peut faire la transition, c'est bon. Ouais, ouais c'est attention, bon. Attention, on change de page. Voilà. YouTube, là on en est ouais à peu près 5 minutes sur YouTube. Donc, que lire dessus? Oui, ben le nombre d'abonnés, oui, il influence énormément déjà. Mais ça, je pense plus que ça vient du nouvel algorithme YouTube, parce que moi je l'affiche et pourtant j'en gagne beaucoup moins qu'avant. Hein. Mais... Malgré que j'ai refait récemment que 2-3 petites vidéos. C'est vrai. Pour moi, ça vient plutôt de la mentalité des gens qui évoluent au fur et à mesure des générations. C'est pas tout seul. Hein. Comme disait PF, les algorithmes de YouTube nous impactent aussi beaucoup. Hein. Ils touchent pas que les gros YouTubeurs. Il a un impact sur beaucoup les petits aussi qui peinent plus qu'avant à se faire connaître parce que YouTube de toute façon. Alors surtout que alors moi je sais pas pour vous mais moi personnellement j'ai pas de network. Déjà le network ça influe vachement sur ta chaîne YouTube. Moi je sais pas pour vous. Mais non j'en ai pas et je compte de toute façon pas en avoir, j'en trouve pas l'utilité. Ouais. Tu connais ce que c'est pour les gens qui savent pas c'est quoi pour ceux qui écoutent peut-être. Comment tu pourrais expliquer ce que c'est un network. Alors, pour ceux qui savent pas ce que c'est. Ouais, qui peut l'expliquer bien? Moi, j'ai mon idée sur la chose. J'ai aussi mon idée, et puis ben, je me sens beaucoup concerné, on peut dire. Ben, vas-y, lâche à faire. Donc, Network, entre guillemets, un site qui correspond un petit peu au contenu de la chaîne. On peut dire ça comme ça. Moi, perso, je pense que plus c'est une société, en fait. Ah. La même. C'est une société, c'est pas un site, un network. Oui, c'est une société, oui. D'accord, une société. Essaye, entre guillemets, de te couvrir. Merci beaucoup, au revoir. Enfin, oui, c'est ça, un network, tiens, je me trompe pas, c'est une société qui a pour but de te mettre l'argent que tu gagnes sur YouTube. Oui. Qui pourrait être partie de ça, et qui te permet d'aller en convention, d'avoir des placements de produits et tout, quoi. Ouais. Et faut faire gaffe avec ça, ça vous sert à rien quand vous avez pas beaucoup d'abonnés déjà. Ah, bien sûr. Vous récoltez rien, donc vous leur donnez tout, et de deux... Si un jour ça arrive, vous pouvez avoir des petits problèmes avec vos vidéos, des fois ils ne feront rien, quoi. Des fois ils te serviront complètement à rien. Ouais, mais ils peuvent quand même pas mal t'aider si t'es bien connu. Mais après, faut être connu, voilà. Ouais, faut être connu, sinon ça te sert vraiment à rien. Bien sûr. Ouais, d'accord. Parce que tu vois, nous, à l'heure actuelle, bah, si on veut mettre des musiques sur nos vidéos, bah on n'y a pas le droit, tu vois, des musiques qui sont pas forcément libres de droit, même si les artistes sont les premiers à dire « Allez-y, partage la musique qu'on veut ouais. ». Et moi, je suis la première victime de ça, parce que moi qui suis beaucoup le milieu de la musique, je peux vous dire que les groupes qui créent la musique, qui veulent que leur musique soit sur Internet pour être partagée, ils sont légion. Surtout, bah moi, j'écoute du métal. Le métal qui est censuré en France, parce qu'on peut le dire, c'est une censure en France, ils sont diffusés nulle part dans les radios, dans les télé, nulle part. Ouais, c'est chiant ça. Le métal est censuré en France, et la majorité des groupes dont je suis l'actualité, je lis les interviews, les gars sont les premiers à dire, mais faites du téléchargement les gars, c'est ce qui nous fait vivre. Oui. Après voilà, il y a différentes sortes de musique, parce que tu as différents labels aussi, et c'est les labels qui gèrent la chose. Mais par contre, faut savoir un truc, c'est que moi, à une époque, c'était assez délirant comme histoire. Enfin, je vous raconte une anecdote à propos de ça, pour les droits d'auteur et comme quoi nous, les petits youtubeurs, on est impactés sur le fait qu'on n'a pas de network. J'ai participé à un concours de clip, donc il fallait qu'on utilise la chanson que le groupe voulait pour tourner les clips. Alors moi, je vous parle d'une histoire il y a 6-7 ans, hein. Mon premier montage vidéo. Donc, on a utilisé la chanson pour faire notre clip.
Et vous savez ce qui s'est passé? Non. YouTube a bloqué notre vidéo parce qu'on n'avait pas les droits de faire ce clip, alors que c'est le groupe qui demandait à faire un concours de clip pour qu'on puisse gagner un disque, un truc comme ça, tu vois. Ou alors, non, je crois que c'était le clip le mieux réussi, c'était le clip officiel du groupe. À partir du moment où c'est le groupe qui demandait à ce qu'on fasse un clip d'une musique qui nous filait en téléchargement gratuit sur leur site, voilà quoi. Et que alors, YouTube derrière dise ah bah non, t'as pas les droits, bah si, le groupe nous la prête la chanson pour faire alors, le clip. Il y avait peut-être deux problèmes. Le premier, c'est peut-être YouTube qui était pas au courant, et le deuxième, c'est peut-être le groupe qui a fait exprès pour faire parler de lui de je ne sais quelle manière, mais là ce serait. C'est vrai, c'est un peu la théorie du complot et tout, mais c'est possible, tu vois. Genre moi j'imagine tout et n'importe quoi. Tout à fait. Je peux te dire, ça s'est fait très vite, et puis à l'époque YouTube était pas trop encore fixé sur les lois. Comme tu vois, c'est un truc d'il y a 7, même 8 ans, je te dirais, parce que j'étais encore au lycée, j'étais pas en terminale. Enfin, c'est mon tout premier montage vidéo qui est peut-être encore sur internet. Hein, ça se trouve, il y a un truc collector à voir quelque part sur internet. Un clip vidéo fait partie Grex Noir, c'est peut-être à voir. Mais je peux te dire que oui, j'ai été traqué par YouTube parce qu'ils ont été accusés d'avoir joué une musique que le groupe nous avait prêtée pour qu'on la fasse justement, le clip. C'est dommage. Pour te dire, c'est délirant l'histoire de YouTube de ce côté-là. Et en fait, pour en venir au sujet, les networks nous protègent de ces problèmes-là. Voilà, donc c'est une grosse parenthèse. Je pense qu'elle est utile, mais pour qu'on comprenne, voilà. Ouais, mais utile vraiment qu'aux gros youtubeurs, quoi. Aux petits youtubeurs qui débutent, ça sert vraiment à rien. Après, c'est ça. Quand on a 200. Enfin, pas 200, mais bon. On va prendre exemple sur toi, Zamkouri. T'as combien d'abonnés actuellement? Attends, je lis ça dans deux secondes. 480, une connerie dans le genre, je crois. Non, moins. 461. Bon, j'étais presque. est-ce que t'as des problèmes particuliers? Est-ce que tu vois que tes vidéos elles marchent plutôt bien et puis que ça correspond au nombre d'abonnés que t'as? Alors, ça c'est assez rigolo. Ce qui a le marché le plus chez moi, c'est. Attends, je suis sur ma chaîne YouTube là du coup. Ce qui a le marché le plus chez moi, c'est les théories. Alors ça, les théories, j'ai remarqué que c'était super populaire. Et grâce à Didi Chanduduy qui a un peu démocratisé la chose. Parce qu'avant, je ne voyais pas beaucoup, ça existait peut-être, mais je ne m'étais jamais renseigné dessus, tu vois. Et c'est ce qui marche le plus. Attends, là, je vais te dire, par contre, celle qui a le moins de vues de Monster Hunter, genre c'est. C'est une vidéo de let's play, 92 vues. Ok, ça passe. Un let's play pour une chaîne de 400 abonnés, moi je trouve que ça passe, tu vois. Clairement, ouais. Clairement. Vraiment. Celles qui sont dans la moyenne, genre celles qui sont vraiment équivalentes à mon nombre d'abonnés, c'est les Hunter News. Qui varie entre 400 et. Je suis une fois plus abonné que toi, et mes let's play ils font dans les 30-40 vues, donc. C'est ce qui intéresse vraiment les gens parce que ça existe déjà, tu vois. Ensuite, il y a mes Hunter News qui correspondent vraiment à ce que c'est. D'accord. Pour ma chaîne, c'est un peu l'empreinte de ma chaîne. Attends, je vais regarder combien je fais. Et là, je vais te dire le nombre des Hunter Theories que je faisais. 2000 vues, c'est la plus grosse. Ah ouais, d'accord. La plus grosse, elle fait 2000 vues, alors je ne comprends pas. Alors j'ai quand même une théorie dessus. Est-ce que c'est pas grâce aux vidéos de Ceratos qui faisait aussi des théories? Alors ça non, parce que j'ai commencé avant lui et j'avais autant de vues. Est-ce que ça faisait partie de tes premières vidéos de cette émission? Je pense que ma théorie... Attends... Je sais pas du tout, parce que je sais que en tout premier j'ai sorti les Hunter News. C'est ma théorie, elle date. Ma première théorie elle date d'il y a 2 ans, donc ouais, c'était dans les débuts de ma chaîne, quoi. Quand je faisais encore mon petit let's play. Hein. Moi je vais dire, aujourd'hui c'est pareil, c'est ce qui je trouve ça vachement bizarre en ce moment, dans le sens où j'ai l'impression qu'il y a personne qui regarde mes vidéos. Alors qu'à l'époque je faisais 500 vues sans problème au tout début, alors que tu vois, j'étais sur Movie Maker à l'époque. Hein. Ouais. Il y avait pas de musique, c'était que des diaporamas. C'est que du diaporama, quelque chose à l'époque que je parlais derrière, et j'étais pas du tout à l'aise parce que j'étais pas à l'aise sur mes vidéos. Moi ça va, les théories j'essaie de m'appliquer, c'est un truc de fou. Ça rendait bien. Y a quoi.
Aujourd'hui, tu vois, sur le dernier gros épisode que j'ai fait, que j'ai beaucoup aimé à faire, qui m'a pris un plaisir de dingue à faire, sur la couve tarot, mais j'arrive même pas à faire les 500 points de vue. Et pourtant, c'est un gros épisode que j'ai mis du temps à faire des recherches, et que j'ai pris beaucoup de plaisir à faire. Et j'ai les premières pros pour le faire. Attends, je vais regarder, parce que du coup, combien j'ai fait de vues, moi ? Juste pour comparer, parce que avant, quand j'étais bien actif, c'est vrai que j'ai laissé un petit peu tomber ma chaîne entre temps, vu quand j'étais en période, on va dire, de alors, démotivation. Ta dernière vidéo, et... toi, que je me souviens, c'était celle sur Monster Hunter, c'était mieux avant. Ah, attends, la dernière, quand j'étais encore bien actif, c'était MHX Parody avec Geralt de Rive, The Witcher. J'avais fait 1460 vues. Pour 71 likes, 18 commentaires et 6 dislikes. Maintenant, la dernière vidéo que j'ai fait à ce jour, c'est bon, celle-là je la compte pas la toute dernière vu que c'était juste pour remporter le Steelbook, donc ça, je pense pas que ça intéresse beaucoup de monde. Mais j'avais fait les vents blancs du nouveau monde solo, j'ai fait 136 vues pour seulement 9 likes et 0 commentaire. D'accord. Donc entre le juin 2018 et l'autre que je parle, elle était en 14 février 2016. Après, les commentaires sont rares dans la communauté Hunter en soi. Ouais, c'est vrai. Là, j'ai quand même un truc à dire. Est-ce que de nos jours, enfin de nos jours ou plutôt dans la communauté Monster Hunter en général, est-ce qu'on est obligé d'avoir un coup de piston pour réussir sur YouTube ? Oui. Alors, non. Oui. Pour réussir sur YouTube, oui. Pour les baisses de chiffres, c'est clairement oui. Hein. Parce qu'aujourd'hui, la référence en YouTube Monster Hunter, c'est Monsieur Hunter, et les gens parlent que c'est Monster Hunter que du esprit qui allait autour. Moi, je veux dire franchement, et je leur dis, j'ai rien contre Monsieur Hunter parce que je regarde ce qu'il fait et moi, je trouve ça cool. Parce que ça bien, et en tant que tuto pour découvrir la licence, c'est ce qui est top. Allez voir Monsieur Hunter, c'est ce que je dis. Mais il n'y a pas que Monsieur Hunter. Et moi, tu vois, il y a un truc qui me déçoit un peu, c'est de plus revoir la Duna Core TV. Qui t'a dit ça ? La Duna Core TV, c'était énorme. Ah oui, c'est... La Duna Core TV que tout le monde a accusé Kajura d'avoir laissé tomber, alors que non, ce n'est pas à cause de Kajura si la Duna Core TV est morte. Bah, de toute façon, c'est pas qu'elle est morte, c'est juste que c'était Vincent Hoffman qui était déjà avec toute sa clique. Et qui a fait ça, qui l'a filé à Kajura parce qu'il pensait qu'il allait être. Parce qu'à l'époque, on va pas se mentir, Kajura, c'était le meilleur, qui avait le meilleur matériel et la compétence pour tenir ça. Oui. Kajura, bah, il était pris par ses études, il allait tomber la chose parce qu'il avait d'autres gros projets, c'est pour ça qu'il a arrêté Monster Hunter aussi à l'heure actuelle. Ouais, mais ce que je trouve dégueulasse, c'est qu'effectivement, tout le monde l'est accusé de laisser d'avoir foutu en l'air la Duna Core TV, alors que non, il s'est quand même pas mal des. Voilà. C'est les mauvaises langues qui disent ça, mais il s'est complètement pas mal démerdé pour essayer de faire vivre ça, quoi. La Duna Core TV, reprendre ça, c'est pas facile quand même en soi, parce que t'as déjà un gros lore avec tout le potentiel de l'époque. Qu'il y avait déjà depuis des années, parce que moi j'ai connu le blog de Hanok à l'époque, il s'est fait connaître grâce à Capcom sur Skyrock. À l'époque, Skyrock c'était génial. J'ai jamais connu ça, moi. Et moi j'ai connu le Skyrock de Hanok il y a 10-15 ans. Je me suis dit à Dinacore et c'était génial. Mais tu demandes à quelqu'un qui a construit son lore sur Skyrock, imagine PF, on te demande de faire ça, tu peux pas. Non, tu peux pas en fait. Mais pour les gens qui crient un peu sur Kaju et tout, c'est en fait le problème, c'est qu'ils se mettent pas à la place de la personne qui a derrière l'écran, en fait, qui fait le montage, bien qui sûr. Fait. Mais tu l'aimes, il y avait trois reprendre Kaju de base. Plus la vie privée. Les gens, quand ils regardent une vidéo YouTube, ils se disent pas tiens, qu'est-ce que lui il fait dans sa vie, combien de temps il met à le faire. Les gens, ils doivent se dire oh, ça va, ça lui prend une journée, donc il a le temps de faire ça. En fait, les gens prennent la passion d'un autre pour un dû et non un don. Donc du coup, le truc, c'est qu'ils s'attendent à ce que la personne sorte du contenu, mais faut savoir que les youtubeurs font à la base ça pour se faire plaisir, pas pour rendre un service à d'autres. Un youtubeur, c'est pas un métier. Enfin, moi, c'est ce que je pense. Voilà. Un youtubeur, c'est pas un métier. Il y a ça aussi. Je sais que compte, en disant ça plusieurs fois sur Twitter, donc. Il y a que ça aussi qui compte, mais il y a aussi le fait qu'ils ne se mettent pas à la place des youtubeurs aussi. Genre, comme t'as dit, Céline, ils pensent que.
qu'on leur doit quelque chose, vu qu'ils sont abonnés et qu'ils regardent les vidéos, ils pensent qu'on leur doit quelque chose de régulier. Mais déjà, ça c'est vraiment de la merde. Et deuxièmement, c'est justement pas la place de la personne qui est derrière, quoi. Ah non, mais justement, les tu le ressens, les personnes qui n'ont pas la passion de YouTube, qui ne font ça que pour le fric ou pour répondre à la communauté, tu le sens. La qualité, elle se dégrade, tu fais du putain de putaclic derrière, tu le sens qu'il n'y a plus de passion. Là, pour moi, tu vois, on était dans le thème des bonnes chaînes, tu vois, pas des chaînes pourries. Voilà. Il y a pas dans la communauté Monster Hunter des chaînes comme ça, hein, pour faire du pognon. Enfin, moi, voilà. Ah, des chaînes pour se faire du pognon, tu vois, un qui commence au Monster Hunter, il veut se faire du putaclic, tout ça, bah tu vas devenir du... Lui, il a posé attends. Une là-dessus pour voir dans si... Dans le YouTube français, il y en a pas trop, hein, mais il s'est tout de suite dit que c'était pas possible. Hein, on lui a clairement fait comprendre que vivre de Monster Hunter sur YouTube, c'est pas possible. Mmh. Ouais. Après, bon, si tu veux faire des chaînes putaclic, tout ça, t'as qu'à faire un moufa fâché. Du Fortnite, hein. Du mouf pas fâché. Mmh. Je crois que vous avez compris la référence. Oui, oui, non, la lama fâché, tout simplement. Le mouf vénère au lieu du lama fâché. Ça existe encore cette chaîne. Le pire, oui. Le oui, oui, le pire, oui. Et moi, je l'ai hérité. C'est un mec, maintenant, c'est plus une meuf. Hein. À la vache. Ils ont changé de... Personne qui présentait les émissions. Bonjour, bon. Je suis une voix off sans âme et je vais quand même vous raconter ce qu'il faut faire de votre vie. Avec un gros putaclic, lâchez un pouce bleu, activez la petite cloche et surtout, allez vous faire enculer pour que je vous monte ma tête un jour. Non, mais vous regardez pas, mais... Je vous montre ma tête. Oh, on a atteint le nombre d'abonnés, mais je ne peux pas vous la montrer pour raison personnelle. J'ai un gros bouton. En fait, non. J'ai une révélation à vous faire. Ma tête, c'est pas une tête de lama. C'est pour ça que moi aussi on m'a un peu fait chier pour montrer ma tête, mais... Et attends, tu te marres, mais... Non, mais attends, c'est un vrai lama derrière, t'auras l'air con, hein. Ouais. Parce que surtout, moi, mon lama, il me tape tous les jours et j'en parle pas, tu vois. Mais bon, surtout les gens qui croient qu'il y a une tête de féline derrière aussi. Les gars, on s'éloigne du sujet, on revient, s'il vous plaît. Oui, d'accord. Bon, on en était YouTube encore. Alors, on a tellement dérivé là, je sais même plus comment. Bah, en fait, la problématique où on était arrêté, c'est le nombre de vues et que le fait que toutes nos vues baissent. Et on disait qu'il y en avait qu'un qui arrivait toujours à maintenir un gros nombre de vues. C'était Monsieur Hunter qui faisait des bons tutos, quoi. Et pourquoi est-ce que c'est le plus connu de base, en fait, hein. Oui, mais comme dans tous les jeux vidéo, t'as pas que du gameplay à faire, t'as un tuto. T'as un lore, t'as autre chose, tu peux proposer. Justement, les gens ne cherchent pas ça. Ils pensent que ça existe, peut-être, mais ils ne cherchent pas en fait. Hein. D'accord. À chaque fois qu'on leur tend la cuillère, qu'on leur mette dans la bouche, tiens, il y a aussi ça à manger. Oui, bah, c'est ce qu'on racontait tout à l'heure, l'internet fast-food. Ouais. Et c'est pour ça que je disais aussi que. Entre nous, genre dans la communauté française de Monster Hunter, on se fait pas assez de pubs entre nous, quoi. On est d'accord, ouais. Bah, c'est pour ça que c'est ce que je vais faire bientôt sur vidéo, en fait, parce que je me dis, Ma vidéo à moi aussi, tu vois. Pour essayer de vous faire connaître, c'est un peu comme les vidéos de Doc Seven, même si je supporte pas du tout le bonhomme, tu vois. Ouais. Je me dis, au moins, il a un truc super qui fait que aucun youtubeur ne le fait, c'est il présente un youtubeur à la fin ou au début de ses vidéos. Et moi, c'est ce que je vais faire, je pense. Au départ, je voulais le faire, mais j'ai préféré faire un truc global, tu vois, genre... plutôt que d'attendre à chaque émission d'en parler d'un, parce que j'avais envie vraiment de parler de toute la communauté, en gros, et de ce qu'il y avait, tu vois. Ouais, je vois. Et puis, quelque part, quand je fais cette émission, et que je vous prends, ça vous fait un peu de pub, j'imagine, enfin, j'espère. Il y a quelque part. Bah oui. Mmh. Toi, qu'est-ce que t'as, toi, avec tes sans abonnés, tais-toi, laisse-nous parler, s'il te plaît. c'est con. Non, non, bah... Lui, il y aura forcément des gens, par exemple, qui me connaîtront pas, tu vois. Mais même si c'est minime, mais ça existe. Hein. À l'inverse, moi, je t'ai testé un peu de cul, tu vois. Même pour cette émission, Pierrot, tu peux te faire pas mal de vues parce que c'est une radio libre. Et il y a plein de gens qui se plaignent de ça. Et moi, le premier, je peux te dire que moi, je suis un fan de radio. Et de toutes les années que je cherche des radios qui me conviennent, j'arrive toujours pas à en trouver une. Bah, moi, j'arrive toujours pas, depuis des années que je connais Internet, je rêve de trouver une radio qui me convient. Juste une radio qui diffuse la musique qui me plaît
et avec des gens qui, à des moments, discutent entre eux. Ouais, et ce genre d'émission, on pourrait dire que... Vas-y, et les gens adorent les radios libres. Donc, ouais, on pourrait se dire, tu vois, des personnes qui connaissent pas les radios libres, il y a des gens qui pourraient se dire, ouais, c'est l'air nul à chier, écouter des gens pendant une heure, c'est pas passionnant, t'as pas de montage, rien. Mais moi, bah, moi j'adore ça parce que justement, tu vois, genre quand je fais ma vaisselle, je me fais un peu chier des fois. Bah, donc, moi, pareil. Soit j'écoute genre une radio libre ou quelqu'un qui parle d'un sujet en particulier comme Ayonke, tu vois, Ayonke, il a des vidéos de 3 heures, moi j'adore les écouter. Moi, sinon, j'écoute les RMC le matin, mais le problème des RMC le matin, c'est que tu as quoi, 10 minutes d'émission et 10 minutes de pub, et la pub, ça te fout le crâne en l'air, quoi. La pub à la radio, en FM, mais c'est terrible, ça te fout le crâne en l'air. Et les radios libres sur Internet, ou les micros libres, hein, ça dépend, parce que les micros libres, c'est tout aussi intéressant, parce que les micros libres, c'est juste, comme ce que l'on fait là, ça se rapproche plus du micro libre que de la radio libre. Parce que la radio libre, c'est du 24 sur 24, et le micro, c'est un enregistrement autour d'un micro où les gens parlent, tout simplement. Bah, c'est vrai que moi, j'ai tendance et... à mettre podcast et radio libre dans le même truc, et c'est vrai que je fais pas trop la comparaison, mais c'est important de le préciser. C'est pour ça qu'Antox, il fait beaucoup de vues et qu'il est vachement apprécié. C'est pas par ses vidéos qu'il fait, parce que les vidéos, franchement, moi, à l'heure actuelle, j'en ai juste un peu raccu, parce que c'est la même chose, mais les radios libres, mec... Les radios libres, c'est énorme ce qu'il fait. Et pourtant, c'est tout con. Il laisse les gens parler. C'est tout con. Je me rappelle d'un truc. Là, c'était le cause toujours de The Fantasio 974. Oui, mais c'est là-dedans que je suis passé et que je me suis fait lâcher par les 25 en décembre, en fait. Je me rappelle, ouais. Et ça, c'était génial. C'était énorme. Les causes toujours, c'était super. Le nombre de gens. J'ai jamais écouté. C'était franchement, mais là, de toute façon, va voir au cas où, parce que t'as tellement de profils intéressants, incroyables, des histoires de fous. Et t'as, c'est pareil, t'avais les radios libres du papa d'internet, là, Fujix de Roux, je sais pas quoi, qui était génialissime. Putain, il y a une radio qui était incroyable, qui m'a fait halluciner. C'est juste, t'as. Alors, son pseudo qui est imprononçable, Fujix de Roux, le papa d'internet. Enfin, vous devez voir qui c'est, peut-être. Il a fait juste venir deux médecins pour parler de la situation de la médecine en France. Comment est-ce que les docteurs travaillent, les médecins et tout. Putain, c'était super intéressant, ça a duré 3 heures, c'était génial. Mais après, pour que ce genre de truc marche, faut que tu aies une personnalité qui plaise aux gens, tu vois. Genre, moi, je sais que Fanta, je regarde pas parce que c'est pas que j'apprécie pas, mais j'aime pas trop l'écouter parler, quoi. Genre... Bah, il a arrêté, ça va être un peu dur maintenant d'entendre parler. Il a arrêté, mais tu vois, j'écoutais aucune de ses radios libres parce que j'aimais pas le personnage. Il est sympa, tu vois, mais j'aimais pas le personnage en lui-même, quoi. T'as le droit, hein, y'a pas de problème. Oui, non, mais pour pas me faire agresser comme Tigrex mort. J'en ai regardé de ses vidéos à Fanta, mais genre ses radios libres, je ne peux pas les écouter. Ça m'intéresse pas, j'aime pas. Après, bon, chacun ses goûts, hein. Ouais, oui, c'est vous les couleurs. Imaginez une radio libre mais que de Monster Hunter, ce serait complètement. Bah, c'est ce qui se passe là. Bah oui, mais. Enfin, c'est pas une radio, c'est un micro libre. Ouais, bah oui, mais faire ça en live en fait. Ça tiendrait pas. Ça peut se faire sans problème, t'as une bonne connexion, t'as Discord, t'invites des gens et tu causes avec OBS. Voilà. Tu peux le faire, mais dans la longue, ça tiendrait pas, tu tournerais vite en rond, en fait. Bah, et franchement, à l'époque, ils avaient fait « Chasse-moi si tu peux », et c'était une radio libre pour moi. Ça me dit un truc, ça. Quand 4U sortait, c'était sur Twitch, c'était avec Mizu, Nono, et puis d'autres gars, des fois, ils invitaient Vincent. C'était une équipe de JVC qui faisait ça, et la sortie des 4U, ça a duré quelques mois, c'était énorme. Et c'était de la radio libre. Parce que pendant que les gens jouaient sur 4U, eh ben, ils parlaient du jeu. Ils parlaient un peu de trucs, parfois pas de tout d'un côté, mais ils parlaient du jeu, il y avait des astuces et ça faisait avancer et ben, ça s'écoutait. Et c'était super cool. Et les gens, en plus, les viewers qui étaient dans le chat, ils pouvaient les rejoindre en jeu. Parce que tu vois, ils étaient deux connectés en fait sur le game et tu avais deux places pour des viewers en fait. Et c'était les premiers servis, les premiers venus, les premiers servis tout simplement. C'était énorme. Ça a duré 2-3 mois et il y a même des petits concours pour gagner des figurines. Hein. De toute façon, je m'en rappelle. Ils ont fait un truc excellent, ça s'appelait Chasse-moi si tu peux. Ben ouais, ça a l'air pas mal en plus. Ouais.
Ce genre de truc, le droit, c'était. Après, ça, le seul hic, c'est que pourquoi ces trucs ont pas tenu, c'est qu'effectivement, il n'y a pas eu assez de partage après. C'est, ouais, c'est ça d'où le problème. Non, et c'est d'où. Pas ça, c'est que les gens sont là. C'est intéressé. Déjà, t'as les gens qui se lassent, et de deux, ça intéressait peut-être pas tout le monde non plus, tu vois. Bah, ce genre, que je regardais une seule fois, pourtant, je connaissais, tu vois. Bah, ce qu'on peut essayer de faire quand on. Qu'on veut créer un projet de radio libre, c'est demander un partenariat avec quelqu'un qui, enfin avec une communauté assez grande pour bien diffuser la radio quoi. Un partenariat avec MHFR seulement pour une radio libre, je suis sûr que ça marche. Pas moi. Pas pour toi? Non. Après, c'est possible que je me trompe, mais moi, tu vois, dans ma tête, quand je réfléchis, je me dis, est-ce que ça marcherait quand je pèse le pour le contre, je pense pas que ça marche super, tu vois. Il peut y avoir du monde, mais pas autant que ce que je fais des youtubeurs espérer, quoi. À tenter, mais pas sur le même opus. De quoi? À tenter, mais sur plusieurs Monster Hunter. On est d'accord, oui. Ouais, totalement, on invite... Ça peut marcher vachement bien, mais à condition de bien gérer ça régulièrement et sur plusieurs opus. Mais ça peut faire un bon résultat, je pense. Là, tu fais un truc genre tous les samedis 14h, retrouvez-nous pour machin truc. Mais après, tu risques vite de rester statique au niveau des nombres de vues, tu vois. Ce sera peut-être le seul problème. Genre, comme exemple, on peut prendre des lives. C'est pas ce qui peut se passer. C'est sûr que si ça reste tout le temps le même truc, bah, ça sera toujours le même truc au niveau des résultats. Mais s'il y a des concours de temps à autre, ou des trucs nouveaux, enfin on sait pas quoi, des events, ça peut changer les résultats, ça dépend de comment on gère la chose. Moi pour Monster Hunter, je me fais pas trop d'espoir pour ce genre de projet. Quoi. Bah si, c'est le temps d'en avoir des espoirs, parce que Capcom veut plus de projets Monster Hunter pour l'avenir en Occident. Donc c'est le moment d'en avoir des projets de cette taille-là. Oui, mais je sais pas si ça marchera comme eux ils l'espèrent, tu vois, ça peut marcher mais pas autant qu'ils l'espèrent. Je sais pas. Moi, je peux pas te dire. Moi, je pense que c'est à tenter et à voir si ça, comment on peut faire évoluer la chose. D'ailleurs, c'est ce qui se passe avec les CDC en ce moment, parce que j'ai pas mal parlé avec les gars et on a fait un super truc cette année. On était super contents. On n'est pas à ça. Et, je pouvais pas regarder. Les chasseurs du cœur, on prévoit de faire changer beaucoup de trucs et qui peuvent plaire à plein de gens, en fait. Mais on cherche à évoluer et ça évolue là-dessus, quoi. Mais Chasseur du cœur, cette année, pour le peu que j'ai vu, j'ai beaucoup aimé. Je sais pas si c'était... Pourtant, ça s'est fait à l'arrache, en soi. Ça s'est organisé à la va-vite. Hein. Ouais, oui, Yukong m'a raconté, ouais. Ouais. Moi, tu vois, j'étais streamer, mais 2-3 jours avant que ça commence, tu vois. Donc, je me suis... Ouais, j'ai d'ailleurs cru qu'il participerait pas, toi. Hein? J'ai cru qu'il participerait pas, quoi. Ah ouais, bah moi, tu sais, je leur ai dit, écoutez, si vous êtes en trou, bah moi, j'ai le matos pour streamer, n'hésitez pas. Et du coup, j'en suis devenu un même tellement qu'on s'est bien marré et tout. Le coup de la ratiade, quand ils vont faire leur compilation, je pense que vous allez vous marrer, vous allez voir. La ratiade sur F2. J'ai pas vu. J'ai hâte de voir. Vous allez voir, je crois que c'est Ozone qui va faire une compilation de tout ça et ça va être marrant. Ouais, il y a déjà eu la première partie qui est sortie, après, je sais pas trop pour la seconde. Ah ouais, il y a une première partie qui est sortie. Ouais, ouais. Ah, faudra la faire tourner parce que je suis pas au courant. On s'est vachement bien marré, c'était super. Ben, je mettrai le lien en description, comme ça vous pourrez voir, et puis les autres aussi. Hein. Enfin, si vous écoutez encore, là, on en a une heure de vidéo, les gars. Allez, c'est bon, hein. Moi, le bar, il ferme à 1h du mat, donc j'ai le temps d'y aller, tu vois. Donc, Ah, tu vois... Et là, imagine, on termine à 1h du mat, tu te rends là-haut. Et non, mais monsieur, on ferme. Non, mais laissez-moi boire une bière, j'en peux plus. Mon anniversaire. Laissez-moi. Ma shop. Ma shop. Au pire, les gars, ce qu'on c'est peut faire. Mon anniversaire, rouvrez-moi ce bar. Au pire, les gars, ce qu'on peut faire, c'est arrêter maintenant et puis continuer en live. Ah, pour faire une pub, ouais, c'est pour faire l'intro de la chute, ça peut être bien, tu vois. Parce que là, pour toi, t'en as combien de vidéos? Parce que moi, ce qui m'a surpris, tu vois, dans la dernière radio, c'est que tu commençais à. Pas te plaindre, enfin je sais pas si tu te plaignais, que 59 minutes c'était déjà beaucoup trop.
Bah en fait, comment après, dire... Après, rien ne t'empêche de faire plusieurs parties. Hein. Ben là, déjà, on en a plus d'une heure de vidéo, c'est complètement sûr. Et puis, ben, je me dis, est-ce que... Ouais, on peut y faire en plusieurs parties, y a pas de problème. Mais est-ce que les gens y regarderont quand même? Alors, pour une chaîne comme toi, je pense que le maximum, c'est 10 personnes. T'auras maximum 10 personnes, 10 viewers, c'est sûr. Non, pas du tout. Je crois pas. Tout simplement parce que si on fait notre pub avec, t'auras peut-être plus de gens. Mais oui, il faudrait. C'est ça. J'ai pas dépassé les 10. Hein. Pourtant, j'ai fait c'est ça qu'il faut. Extraordinaire dernièrement, c'est qu'ils enregistrent ils enregistrent quand tu t'arrêtes sur une vidéo. C'est-à-dire que quand tu réactives, quand tu retournes sur une vidéo que tu as quittée, ils te remettent exactement là où tu t'es arrêté. Ça n'existait pas avant et ça, pour moi, bah, je remercie beaucoup YouTube pour cette mise à jour parce que ça m'aide à suivre des grosses radios qui durent plus de 4 heures, tu vois, des trucs politiques qui durent 4 heures. Et ben, j'arrive à voir plusieurs fois avec une seule vidéo, tout simplement. Après, la compte, plupart ça. Des gens qui. Ça a depuis, je dirais, 1 ou 2 ans, mais en fait, tu vois. Commence à regarder une vidéo qui est. Admette, tu vois rien. Du coup, c'est une radio qui est une vidéo en radio qui dure 4 heures. Au bout d'une demi-heure, tu la quittes parce qu'il faut que tu fasses un truc. Tu te dis, bon, bah, je vais la réécouter à la suite, voir où j'en suis. Sauf que YouTube, il arrive dans la grande majorité des cas à enregistrer où tu t'es arrêté dans la précédente fois où tu as regardé la vidéo. Ah oui. Ouais, ça a dû me le faire une fois, mais j'ai pas dû y prêter attention. Bah moi je fais beaucoup parce que étant donné que j'écoute pas mal de radios sur YouTube en fait en vidéo notamment tout ce qui est émissions politiques c'est vachement intéressant parce que bah on sait que les débats politiques ça dure pas un quart d'heure donc pour ça c'est YouTube a vraiment bien géré la chose et franchement n'hésitez pas ou alors sinon bah tu fais dans la description un listing de toutes les thématiques que tu penses qu'on a approchées et puis les gens verront le hashtag, tu vois. C'est une bonne idée, mais après, faut que... Parce que on a quand même pas mal zigzagué entre les choses, donc est-ce que... C'est vrai qu'on a beaucoup zigzagué. Ouais, on a quand même beaucoup zigzagué, c'est pas si j'arrive vraiment. Le problème, c'est que c'est déjà vachement mêlé de base, donc faire la séparation des deux, c'est un peu compliqué. Donc je pense qu'on va faire la première partie, on va l'arrêter ici, et puis je coupe la vidéo en deux, et puis là on fait la seconde partie, d'accord ? D'accord. Donc fin de la première partie, si vous avez aimé, le pouce bleu, et puis deuxième partie.